Les gars, c'est John, il me le faut, qui vous présente ses tout derniers faves. Ses faves? Ça veut dire quoi, faves? Ben, favori. Allô? Arrête, tu connais pas les influenceurs? Ils n'ont pas le temps de dire les mots en entier, ils ont des infos dingues à donner. Info, ça veut dire information. Ça va, info, j'avais compris. Ma fave du jour, c'est des baskets qui déchirent super grave. Les P500, le top. Wow, tige recyclable, trop génial, trop bon. Miam, miam, miam. Elles ont droit à la note maximum 5, il me le faut. Boum, il me le faut, il me le faut. Il me le faut. Et John, lance un appel à toutes les autres grandes marques de basket. Envoyez-moi des échantillons gratuits et je leur mettrai une note. Ce gars-là, il a quand même la plus belle vie du monde, non? Ouais, trop cool. Pourquoi on pourrait pas faire ça, nous? Parce qu'on n'est pas des influenceurs. Je crois que tout le monde a compris où tout ça va nous mener. Bienvenue au conseil d'Angelo pour devenir influenceur. 1. Bien soigner sa phrase d'accroche. Alors, quoi de neuf, les gars? Non. Alors, les gars, quoi de neuf? Non, ça va pas. Alors, quoi de neuf, les gars? Ça, c'est top. Règle numéro 2, un bon pseudo. Bien accrocheur. Oh, je sais. Allô et bim. Joli. Et ça tourne. Vidéo de Allô, l'influenceur réseau première. Bim. Alors, quoi de neuf, les gars? C'est Allô qui vous présente ses derniers faves de folie. J'ai des baskets de malade, les Allô pourraves. Qu'est-ce que vous pensez de ces baskets craignos? Et ouais, je leur donne carrément ma note maximum, c'est-à-dire 100 Allô. 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 Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner ou de liker ou de nous suivre ou n'importe. Allô, à plus. Ok, j'ai tagué John, il me le faut. Du coup, s'il aime, on va avoir 1 million de vues. Bim. Oh, génial. On a un like. Ah. Ben quoi? J'aime bien. Commentaire de John, il me le faut, 177934. Je me demande bien qui c'est. Regarde ma nouvelle vidéo dès que possible. Alors, quoi de neuf, les gars? Oh, sinon j'adore ce petit nouveau. Allô, total respect, Allô, c'était trop marrant. John, il me le faut, a le sens de l'humour et tété. Trop génial. T'as droit à 1000, il me le faut. Quoi? 50 000 likes? C'est le moment le plus épique de l'histoire des moments. Bim! Qui est chaud pour faire de nouvelles vidéos? Allô, influenceur sauce piquante, première. Bim! Alors, quoi de neuf, les gars? C'est Allô et aujourd'hui, je teste pour vous ma sauce ultra pimentée. Je vous préviens, ça arrache. Allô, non! T'es malade! C'est parti. C'est l'heure des conseils de Allô pour changer complètement de look. Pour ça, pas besoin de tous ces trucs de maquillage. Allez, zou! On dégage! J'aimerais que mes yeux paraissent plus grands, énormes. Je te comprends. Tiens, prends ça! Waouh! Classe! Merci, Allô! Je m'abonne tout de suite à ta chaîne. Par contre, ne sors pas au soleil comme ça, parce qu'attention, ça peut brûler grave. Alors, les gars, quoi de neuf? C'est Allô! Vous êtes en retard et vous voulez prendre un petit déj vite fait? Essayez ça. Oh, attention, table du petit déj en vue! Yeah! Ça, c'est de la restauration rapide. Allô! Allô! Ouah, là, on a dépassé les 100 000 vues, les gars, c'est une dinguerie. Et alors, le nulos? Ils sont où, tes goodies? Salut, Jordan. Angelo. T'as dit quelque chose? J'ai pas fait gaffe, vu que c'est toi qui le disais. Mec, c'est quoi l'intérêt d'être un influenceur si tu te prends pas des goodies de folie? On en reçoit plein, des tonnes de goodies. C'est simple, on en a tellement qu'ils ne tiennent même plus dans notre boîte à goodies. C'est quoi les goodies? La seule mesure valable pour estimer un influenceur, c'est le nombre de cadeaux qu'il reçoit. Bien tenté, les bolos.
Oh, pour une fois, Jordan a raison, on n'a pas assez profité des avantages. Les goodies? Les goodies. Eh, sérieux, je sais pas ce que c'est, les goodies. Des trucs gratuits qu'on t'offre quand t'es connu. Ah. Comment on fait pour en avoir? Il me faudrait un cupcake pour m'aider à réfléchir. Dommage, j'ai pas de sous. Faudra en avoir un à l'œil chez Cathy, mais comment? Je crois que tout le monde a compris où tout ça va nous mener, n'est-ce pas? Alors, Cathy, vous êtes sûrement au courant que mes vidéos ont toutes explosé sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, y a pas de blessés, j'espère. Non. En tout cas, vous avez de la chance parce que Allo veut donner à vos cupcakes le label Allo sur les réseaux. Il y aura la queue jusqu'au coin de la rue pour venir chez vous. Je vais pouvoir me payer un nouveau tablier ou un yacht. Ouais, ouais. J'ai un cadeau. Ça, c'est le moment le plus épique de l'histoire des moments. Alors les gars, quoi de neuf? Allo est de retour avec les cupcakes les plus top de la planète. Ça va faire boum sur les papilles. Cupcakes 100% garantis sans risque d'explosion. Allo, il a toujours les meilleurs. Vous voulez quoi d'autre comme truc gratuit? Vous vous rappelez quand j'ai dit que les skateboards d'Olivon Dunk étaient les meilleurs de la planète? Regardez ce qu'il m'a envoyé. Recommandé par Allo. Des billets gratuits pour Parc Aventure. Et ouais, juste pour vous prouver que j'avais raison quand je disais que c'était le meilleur parc d'attractions de la planète. Et un grand merci à la meilleure équipe de basket de la planète. Les garçons des marais m'ont offert ce ballon de basket dédicacé, sympa. Alors, quoi de neuf, les gars? C'est encore Allo, toujours prêt à influencer plus. C'est à vous que je parle. La maison des singes robots, les hot dogs de Willy, le palais du bœuf séché, drone, téléphone, les cornets de glace, envoyez tous vos échantillons. Ah, c'est complètement ouf! Regardez-moi tout ça! Wouhouhou. Trop bien les goodies! Oh, c'est là qu'Angelo nous sort qu'il croyait que tous ces cadeaux le rendraient heureux, mais qu'il se trompait. Quoi? Non, je suis super heureux. Mais maintenant, le moment est venu de faire un gros coup. Attends, tu penses pas? Mais si, j'y pense. Je pense qu'à ça même. Elle est pratique, cette boîte à jingle gratuite, hein? Vous pourriez tenir un tube, mais faut pas se mentir. Pour ça, il faut que vous fassiez une tournée et ça revient super cher. Et c'est risqué. Maintenant, si je vous disais que moi, je peux vous garantir toutes vos dates à guichet fermé. Et si moi, je te disais de ficher le camp de notre studio d'enregistrement top secret? Frangin, c'est Allo, le mec des réseaux. Ah, ouais. Le mec genre hyper célèbre, la classe, quoi. Ah, ça oui, j'avoue. Voilà ce que je propose. Moi, Allo, influenceur mondialement connu, je fais toute la tournée avec Slobber. Tu joues quoi? Rien du tout. C'est ça le coup de génie. Tout ce que j'aurai à faire, c'est monter sur scène et vous présenter. Ah, carrément. Tu peux développer. Je vous explique. Je vous garantis que les gens vont sortir pour voir Allo. Et vous aussi, probablement. Waouh! Ça, c'est un influenceur. Ouais? Ouais. Ok, ouais. Cool. Ah, et bien sûr, je viens avec mes potes. Une minute. Ils sont influenceurs aussi? Ils ont des abonnés? Non. Mais attends, on n'a pas la place dans le bus pour trois personnes. Hein? On vient d'installer le jacuzzi, où est-ce qu'on va le mettre? Désolé, cousin, c'est juste toi et personne d'autre. Réfléchis-y. Ouais, ok. Ah. Raté, les gars, j'ai essayé de les convaincre de vous emmener. Non, t'inquiète, mec. C'est nous qui sommes désolés que tu ne fasses pas la tournée. Bah... Attends, tu les accompagnes pas, n'est-ce pas? Ils partiraient pas sans ses potes. Remarquez, en fait, c'est-à-dire que vous n'aimez pas trop leur musique? C'est trop bruyant et tout. Tu vas y aller sans nous? Ouah. Alors là... Ouah. Bim. Vous voyez ça? C'est le pire moment de toute l'histoire des moments. Voilà l'histoire. Je devais partir en tournée avec les frères Slobber. C'était le rêve de ma vie. Mais... Ouais, je sais. T'aurais perdu tes potes. Ouais. Tu vois, être un influenceur, c'est pas facile. Un jour, c'est genre... Alors les gars, quoi de neuf? Et puis, tout à coup, c'est... Alors, vous êtes où, les gars? Tu m'étonnes. Ça met ta conscience à l'épreuve. Tu dois regarder au fond de ton cœur et te demander ce qui est bon pour Angelo, pas pour Allo. Mais vu ce qui est en jeu, je pense que tu devrais oublier la tournée. Waouh, c'est fort. C'est un bon conseil. Merci, John. Namasté. Un dernier conseil de l'influenceur Angelo. La meilleure chose gratuite qui existe dans la vie, c'est l'amitié. Bah, je suis contente d'avoir laissé tomber ces trucs d'influenceur. Ouais, traîner avec ses potes, c'est 10 fois mieux. Et même si c'était l'occasion de ta vie, on apprécie beaucoup, Angelo.
Mais bon, maintenant, tu vas y penser tous les jours de ta vie. Merci, Lola, mais ça m'aide pas vraiment, là. En tout cas, John m'a vraiment aidé à y voir clair. Alors, quoi de neuf, les gars? J'arrive pas à croire que t'aies refusé ça, Allo. C'est le plus magnifique des cadeaux. Pas vrai, les gars? Ouais, ouais, il me faut. Trop bon. C'est sûr que ça en met un coup. Un cupcake pour nous remonter le moral? Alors, quoi de neuf, les gars? Pas mal, cet épisode de Allo, hein? Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer pour nous faire parvenir tous vos commentaires. Et n'hésitez pas à visiter le site des cupcakes de Cathy. J'en ai déjà l'eau à la bouche, miam. Et voilà tes cupcakes gratuits, Allo.